arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Je vous rappelle tout de suite. Hein. Les preneurs d'otages ont envoyé un email aux autorités algériennes et allemandes. Ils demandent 50 millions de dollars et le retrait de Help Défense du territoire algérien. Alors, en somme, je comprends, mais pourquoi ils veulent le retrait d'Help Défense? Leur usine n'est même pas encore construite. On est d'accord. Et Soudani, il dit quoi? Il est prêt à négocier. Ça aussi, c'est bizarre. D'habitude, c'est par cadavre interposé qu'il négocie avec les terroristes. Je suppose qu'il n'a pas envie de se passer des fusils mitrailleurs de Manningerau. Berlin est au courant? Demain, il y a une réunion de crise avec les représentants des services concernés. Ok. Bonsoir, Raël. Bonsoir. Ton whisky? Ouais. Là, ce matin. J'ai assisté à une dizaine de ces réunions et j'y ai jamais vu une femme. Bien sûr, en Algérie, les femmes travaillent pas. Et dans tout Alger, t'es la seule juge d'instruction assez compétente pour ce genre d'affaires? Tu devrais être content. Ce sont les vidéos de surveillance de la résidence et de l'aéroport. Celles que t'as reçues à l'ambassade ont été trafiquées. Cette clé contient l'intégralité de ce qui s'est passé. Ne cherche pas à affronter le général Outoumi, s'il te plaît. Ne les force pas à te virer du pays. Ils savent que tu as vu cet Américain. Je dois partir. Sog.
Pushback. اتني روحك بنتي. خلص عليها خالي. من بعد وش تدير؟ ومن بعد سي بن ميدي؟ عم وديش نحي سي بن ميدي واسمي يوسف. اوكي؟ طيب صح. ومن بعد يوسف؟ راح نكسلك راسك للكبلة.
بدي راسي القبلة. ايه طبعا. كمل. ومن بعد رح نغسل لك 3 مرات منيح يعني بوضوء. ايه وبالصابون ومي السخن ومنشفك نكفنك ومنجيبك لهون ان شاء الله. وتدفني قدام مرتي ان شاء الله. ان شاء الله. يلا خلينا نروح بردت الدنيا. برد؟ ايه انا مازال ريح شوي مع مرتي. متاكد؟ روح الله يسهل عليك. طيب يلا السلام عليكم. سلام الله. تبع حالك واذا في شيء تلفن لي اوكي. يلا باي. داو بابا الحبس تاع سركاجي هادو 9 أيام ودوكا كيقولوا بلي ما عارفينش وين راهو. بالك بابا عندك في ألمانيا ياك جدي؟ راهو عندك تمي دومي. صحيح جنب تعال دي نوفل تويزي. Oui, je suis nouvelle. اسمك؟ ليا. Très jolie. Vas-y, enchantée. Enchantée. Ça fait combien de temps que t'es là? Depuis 2 semaines. Ça fait 2 semaines que t'es là et je t'ai pas vu. Oui. Mais si je reviens la semaine prochaine, t'es là encore? Peut-être. Tu veux boire un café? Peut-être. Comment ça peut-être? Peut-être que oui ou peut-être que non? Inch'Allah. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'en veux encore t'avoir amené ici? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Jamel? Je pense au vrai responsable de la mort de mon père. Soudainé. Zahid. Allez, mangez. On va y aller. Tu devrais laisser le passé de côté. On est en train de construire une nouvelle Algérie. Et l'intérim met Egypte la démocratie. Tu le sais. On mène pas ce genre de guerre avec l'humanité, Aziz. Nous ne torturerons pas. Nous ne tuerons pas des innocents. Un second printemps arabe. Une révolution propre. Allez, allez. C'est bien. On y va. T'as l'un des fois. والناس اللي خطفوهم تنساهم t'en fais quoi d'eux? Bah quand ils nous auront dit ce qu'on a à savoir, on les relâchera, c'est tout. Je veux que une goutte lec, une révolution propre. Allez, Dane, aide-nous, on y va. Vous avez mon document? Oui. C'est tout? Oui. On doit y aller, Madame Prince. Oui.
N'accompagnez pas toujours Monsieur Timmerman. Vous me direz qui est qui? Bonjour à tous. Bonjour. Hans Levinghaus, représentant du ministère fédéral de l'économie et de l'énergie. Enchanté. Dennis Koplinger, renseignement. Bonjour. Uwe Hiller, de la police criminelle. Bonjour. Bonjour. Et Malte Haas, de la protection des frontières. Bonjour, madame Prince. Enchanté. Madame. Bonjour. Enchanté. Monsieur Müller. Bonjour, madame. Bonjour. Voici la situation. Deux ressortissants allemands sont retenus par des terroristes quelque part en Algérie. Hier, une rançon d'un total de 50 millions de dollars américains a été demandée. Nous sortirons de cette pièce quand nous aurons trouvé le moyen de les ramener tous les deux vivants au pays. Il y a quelqu'un? S'il vous plaît. Je dois parler à mes filles. Laissez-moi les appeler. Il faut que je téléphone à ma famille. Laisse ta voiture ici, là. Jamel, elle prend tes affaires, je fais le tour, on se rejoint juste là. Oui, ça fait 4 euros. Oignon, oignon, mayo, ketchup, sauce blanche, harissa, samouraï, algérienne. Merci. Merci, à bientôt. Oui. Je vais payer. Allez, tu prends 10 minutes. Alors, salam, allez. On revient derrière. D'accord. Ouais, ça va? 4 euros. Alhamdoulilah. Hakim, range-moi ça, s'il te plaît. T'as tout ici. Des décalages, des Uzi, des Beretta, des grenades à main, la lacrymo, des masques. Par contre, j'y touche pas ça, moi. On est d'accord. Non, c'est pas mon truc. Aziz, il croit en une révolution propre. Pas moi. C'est bon? C'est bon. Allez, va. Vas-y. Non, tu te mets avec les sacs, toi. Mais je monte pas là-dedans, moi, c'est dégueulasse. Allez, tu peux te dégueulasser un peu, non? Pour ta révolution propre. Allez, pas chier, regarde, y a de la place pour trois, là. Allez. Grand-père, j'aurais dû t'envoyer cette lettre il y a bien longtemps déjà. On fait pas toujours ce qu'on va faire.
Au moment où j'écris ces mots, je réalise que j'ai du mal à me représenter ton visage. Bonjour. Bonjour. Parfois, j'imagine que tu es rentré en Algérie et que nous nous sommes croisés sans nous reconnaître. Je me rappelle de ta voix au téléphone lorsqu'on t'appelait papa et moi, de ces projets qu'on faisait de venir te voir en Allemagne. Je disais à tout le monde que tu me présenterais Jürgen Klinsmann. À 11 ans, on rêve encore tellement. Puis tu as brutalement disparu de ma vie. Aujourd'hui, toi et moi sommes les derniers membres de notre famille maudite. Je ne veux pas t'oublier. Peut-être m'as-tu oublié de ton côté. J'aimerais te prendre une dernière fois dans mes bras avant que tu disparaisses de ma mémoire. Que tu me parles de toi, de ma grand-mère morte au combat. Alors n'aie pas peur lorsque je me présenterai à ta porte et que je t'appellerai grand-père. J'aime bien faire là. Je t'embrasse de tout mon cœur. Jamel. Madame, je tiens à rappeler que nous avons signé un contrat avec l'Algérie. Donc c'est la parole de l'Allemagne qui est engagée et bien sûr, nous allons l'honorer. Madame Prinz. Non, monsieur Levinghaus, ce n'est pas la parole de l'Allemagne. C'est Malingerau qui a donné sa parole. C'est une société privée. La vie de nos compatriotes est plus importante que la livraison de leurs fusils. Dans cette situation, je pense que n'importe quel citoyen allemand serait d'accord. La femme en robe rouge, comment elle s'appelle? Celle qui a son téléphone derrière son dossier. Quand il sort, j'en reçois toujours un mail. Tant mieux parce que. Wiebke Ebert. Alphélet. Ouais. Je suis votre rendez-vous, Claude Rigal. Allez, venez avec moi. Je connais un endroit beaucoup plus sûr dans la Casbah. Vous ne ressemblez pas au profil habituel des recrues de la CIA. Je suis un écho du bon vieux temps. Un bon vieux temps qui a cessé en 1962. Des descendants de pieds noirs? Ah non, je préfère français d'Algérie. Après tout, moi je suis né en Algérie française, comme mon père. Mon grand-père et mon arrière-grand-père. Oui. Bah oui, c'est vrai que nous, les pieds noirs, comme vous dites, on a peut-être toujours, pas toujours été très tendres, on a même été plutôt durs avec les locaux, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous, les Allemands, vous avez fait aux Juifs pendant... Je ne suis pas ici pour ressasser le passé merdique de nos deux pays. Tout ce qui m'intéresse, c'est de sauver mes compatriotes. Bah, on a ça en commun. On est d'accord. Mon entreprise est chargée de la construction de l'usine
LB Défense, que doit diriger M. Richter. S'il meurt, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Dans la merde. Allez, suivez-moi, c'est à côté. Par ici. Yitkadal Yitkadash Shmiraba. Alma divrei kurte, v'yom lich malchute, b'chayochon v'yom ochon v'chayde kol beit Yisrael, v'agala b'sman karif v'emru, amen. Yish lama rabba mishmaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'emru. Toutes mes condoléances. Madame Zimmermann, j'avais beaucoup d'estime pour votre mari. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Merci. Je vous en prie. Madame la secrétaire d'État. Monsieur Wegner. C'est vraiment un plaisir de vous revoir. Oui, c'est dommage que ce soit pour cette occasion. Oui, c'est triste. Oui. Tout va bien chez vous? Oui, et chez vous? Passez-leur le bonjour. On y va. Au revoir. Au revoir. Madame la secrétaire d'État. Madame Prince. Il faut que nous prenions rendez-vous rapidement. Je pense que quelqu'un au ministère fait sortir des informations pour aider Manningerau à remporter l'appel d'offres des MRG 45 algériens. C'est le genre d'accusation qu'il vaut mieux éviter de porter à la légère, Madame Prince. Je suis en train de monter un dossier. Faites-le moi parvenir dès qu'il sera prêt. D'accord. Bien. Pardon, Madame Prince. Je voulais vous parler d'abord pour vous présenter mes plus sincères condoléances. Et ensuite pour vous féliciter de votre promotion. Je sais que M. Zimmermann comptait pour vous. Il a joué un rôle important dans votre carrière. Le moment est mal choisi, M. Wegner. Comment vous vivez l'enlèvement de nos deux compatriotes dans un pays auquel vous vendez des armes? Vous savez, j'espère de tout cœur que nous allons récupérer ces deux otages sains et saufs. Pour ce qui est de la vente d'armes, c'est un commerce légal. Et très lucratif pour notre pays. J'en suis sûr. Mais je vais personnellement vérifier que ce commerce a été légalement mis en place. Je vous en prie. Vous savez, récupérer ces otages est devenu ma priorité. J'ai demandé à ce que les armes ne soient livrées qu'une fois qu'ils auront été libérés. Ça incitera l'administration algérienne à nous aider. Fouad ! Fouad ! Salam, c'est les gars. Ouais, salam. Je te présente l'homme dont je t'ai parlé, Ralph Hillé. Salam. Salam. Amma. Annasta, Anna, Amma, Talha, Elfa. Bonjour, madame. Vous pouvez monter. On se met là-haut, hein. Thank you.
Alexis Clérel a servi d'intermédiaire pour Soudani. C'est lui qui a facilité le deal pour les fusils mitrailleurs Meninger Rao. Mais Soudani a encore besoin de lui pour se procurer une cargaison de RPV-10. L'arme parfaite pour exploser les pick-up des islamistes. Mais l'Allemagne n'autorisera jamais la vente d'armes lourdes au gouvernement algérien. Et c'est pour ça que Soudani passe par Clérel. Hein ? Je sais par mes informateurs qu'il y a une grosse cargaison de ces trucs-là. Mais Soudani n'est pas seul sur le coup. Il y a de la concurrence, probablement vos kidnappeurs. Ils sont prêts à mettre jusqu'à 50 millions de dollars pour ces RPB-10. Les 50 millions de la rançon pour Richter et Schumacher. Soudani ne mettra jamais cette somme-là. Parce qu'il en a tout dans sa manche. Un jeune Algérien du Djebel, dont Clérel est amoureux, follement amoureux. Et Soudani n'épargnera que si Clérel lui cède les RPB-10 à un prix défiant toute concurrence. Belle affaire pour Soudani, pour Clérel. Ah, ça va lui coûter la peau des couilles. Enfin, quand on l'aime. Bon. Clérel est actuellement à Alger. Vos kidnappeurs vont pas tarder à le contacter. Comme d'habitude, il est descendu à l'hôtel Horaci. Foued, il travaille comme barman. Passez le voir, il vous facilitera l'accès à sa chambre. Maintenant, la balle est dans votre camp. Ciao. Fais attention de ne pas tâcher ton beau costume. Je te remercie, t'aurais pu m'attendre. T'as parlé à la secrétaire d'État et à Wegner ? Pourquoi ? Mais ce que j'ai vu surtout, c'est la secrétaire d'État qui parlait à Wegner. Tu crois qu'il se passe quelque chose ? Ils couchent ensemble ? J'ai besoin de ton aide, Conrad. Tu l'as dit, la concurrence était plus efficace et moins chère que Meninger Rao. Il y a forcément eu des accords en interne. Tu peux me dire ça, au moins. Non, je peux pas te dire ça. Ce sont tes conclusions. S'il te plaît, Connie. C'est toi le spécialiste du MRG-45. Monsieur Zimmermann avait donné son accord. Exact. Donc, s'il est vraiment question de corruption, tu vas bousiller la réputation de ton mentor. C'est ça que tu veux ? Dans 6 mois, le poste d'ambassadeur à Tokyo se libère. Je soutiendrai ta candidature, si tu veux. Fallait le dire tout de suite. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers ? Je pourrais avoir la carte des menus. Merci. Au fait, qu'est-ce que tu fais après manger ? C'est la question que j'allais te poser. Nous venons d'apprendre que 2 citoyens allemands ont été pris en otage en Algérie. Il s'agit de l'ingénieur Peter Richter et du responsable de sa sécurité, Tony Schumacher. Peter Richter était en Algérie en tant que représentant du fabricant de chars Elbe Défense. Schumacher était chargé d'assurer sa sécurité. Les autorités algériennes ayant refusé de communiquer sur cet enlèvement, nous ignorons encore qui sont les ravisseurs et ce qu'ils demandent. Je te demande comment le fils d'un exilé a pu faire son service militaire en Algérie. Ça m'échappe, ouais. S'il est arrivé en France, mon père savait qu'on ne laisserait jamais revenir Phil Jezel. Il ne voulait pas que ses enfants, ses petits-enfants partagent son exil. Alors il nous a tous enregistrés à l'état civil, mais sous le nom de notre mère. C'est le seul moyen pour que nous aussi, on soit algériens. Et qu'on puisse retourner Phil Bled. Ben ça t'allait bien, le costume militaire. Depuis la disparition de ton père, tu n'as plus personne. Ta mère? Elle est morte quand j'avais 9 ans. Il a grandi à la maison? Ouais, là.
Il reste encore un Ben-Mehdi. Mon grand-père. Il habite pas loin d'ici. Faut que je le voie avant notre opération. C'est ma dernière occasion. Bon, les gars, on a du boulot. On va parler de nos racines pendant des heures. Ok. Faut qu'on détermine le meilleur endroit pour détourner le convoi. Point de départ ici. Tu vois ? Quelque part après son départ de Magdebourg. T'as une idée ? Écoute, ça peut être là, non ? C'est pas vrai. Sur la vidéo, on voit très bien que ce sont pas des islamistes qui ont fait le coup. Il y en a un qui porte un bracelet en or, c'est interdit chez les fondamentalistes. Et il y a autre chose, d'habitude. Ils utilisent pas de silencieux, et une fois le travail terminé, ils laissent les cadavres sur place. Et pourtant, il y a eu un mort pendant la prise d'otage. Ouais, Brahimi. Ils l'ont tué parce qu'il a sorti son arme. S'il avait pas essayé de résister, ils auraient pas eu besoin de l'abattre. Mais alors, si c'est pas les islamistes qui ont les otages, à qui on s'apprête à donner 50 millions de dollars ? Je sais pas encore. En revanche, je peux vous dire où l'argent va aller. Dans l'achat de RPB-10. Donc on a deux possibilités. Soit on paye et on permet à un groupe de terroristes de se fournir en armes lourdes, soit on refuse de payer et Richter et Schumacher vont mourir. Ralph, pourquoi Amel Samraoui vous a apporté les vidéos originales ? J'ai confiance en elle. Je les connais, je connais le clan Soudani. Vous devez être extrêmement prudent. Amel n'est loyale qu'envers l'Algérie et envers le général Soudani. Après le massacre de sa famille, il l'a élevée comme si elle était sa fille. Alors méfiez-vous, s'il vous plaît. Ouais, je sais, je sais, je sais. Plus tard. Oui. Bonsoir, Raphaël. Toumi m'a dit que t'étais en colère. Je suis là pour m'expliquer. Pourquoi tu n'as pas remis toi-même les vidéos à Ailey ? Pourquoi tu m'as fait jouer ce numéro d'intermédiaire ? Le gouvernement allemand menace d'annuler une livraison d'armes que j'attends. Ailey se méfie de moi, j'ai préféré passer par toi. Cela montre que nous coopérons. Depuis combien de temps tu sais pour nous deux ? T'es réputé intègre, c'est un atout. Réponds-moi. Je me doutais que cette histoire avec un étranger pourrait devenir utile. Tu m'as fait surveiller. Tu sais, j'ai beaucoup d'ennemis ici, je dois veiller sur toi. T'es pas mon père. Qu'est-ce que tu sais vraiment de ton père ? Tu avais à peine 10 ans quand les terroristes l'ont tué. Je le connaissais assez pour savoir qu'il en avait rien à foutre du pouvoir et d'Alger. Il y avait plein de candidats talentueux pour ton poste. Si tu tiens tant à vivre dans ta déchala, tout ceci peut disparaître aussi facilement que ton allemand au détour d'une rue d'Alger. N'oublie jamais à qui tu dois ta loyauté. Je croyais qu'on était pareil, toi et moi. Ailey ne saura pas quel rôle tu as joué dans cette affaire. Il est occupé à traquer des terroristes que je ne connais pas encore. Avec un peu de chance, il nous mènera jusqu'à eux sans y perdre la vie. Thank you.
savez que c'est un véhicule diplomatique. Je vais pas violer votre humilité. Je suis là pour vous mettre en garde. Une note a été envoyée à toutes les ambassades occidentales d'Alger pour signaler des risques d'attentat contre des citoyens étrangers. Nous sommes là juste pour assurer votre protection. Rien d'autre. Qui vous envoie ? Abdelrahman Toumi aimerait vous parler. Oui, bien sûr. Et si je veux pas ? On sera obligé de vous escorter dans tous vos déplacements jusqu'à la fin de l'alerte. Pour assurer votre sécurité, bien sûr. Toilette. Derrière moi.